way of living together between the two nations, France and Germany. A few years before, French engineers and German engineers had been busy designing aircraft to fight each other. And a few years after the end of World War II, with the NORATLAS program, French and German engineers and French and German companies started to work together to produce Sith aircraft. It went so well that when time came to give the NORATLAS a successor, it was very natural to team up French designers and German designers, and they started working together on the aircraft to come after the NORATLAS, to replace the NORATLAS. They gave this project a German name, which was Transportallianz, and Transportallianz in short became the Transall, and this aircraft became a legend on its own, now taking off on runway 21, maintenant au décollage, en piste 21, de l'armée de l'air française. Voici le Transall, and now here comes the Transall of the French Air Force. A very, very, very rugged aircraft, an aircraft which did its first flight in February of 1963, which is quite a long time ago, and which is still in service today in the French Air Force. Le NORATLAS avait des moteurs anglais, des Bristol Hercules, des moteurs à piston anglais, moteurs compliqués, moteurs sans soupape. Véritable cauchemar, mais des bien beaux moteurs qui faisaient un son merveilleux. Et ben l'avion franco-allemand qui l'a remplacé, le Transall, avait également des moteurs anglais, puisqu'il s'agit de turbopropulseurs Tyne qui entraînent des hélices totalement gigantesques d'ailleurs. Des Rolls-Royce de pratiquement 6000 chevaux qui entraînent le Transall à travers le ciel. The NORATLAS had British engines, Bristol Hercules, and the Transall also, being Franco-German, was powered by two Rolls-Royce Tyne engines with enormous propellers. And this aircraft was built in 214 units. Le Transall fut construit à 214 exemplaires. Et parmi les versions, il y a donc une version allemande, une version française, une version pour la Turquie, une version sud-africaine et une version indonésienne. The Transall was put in service by the forces of Germany, France, Turkey, South Africa and Indonesia. Cet avion est piloté par un pilote de l'armée de l'air et son équipage. Le chef de bord est le capitaine Olivier Levillain, qui vole au sein du groupe de transport 161, pardon, Touraine. Et ce pilote et son équipage ont effectué plusieurs détachements en Afrique et en Afghanistan. Et son expérience sur le Transall se monte à pratiquement 5000 heures de vol aux commandes de cette machine. Le Transall est un superbe avion qui évidemment a maintenant un peu sa vie derrière lui, mais il y a eu une deuxième série de Transall qui ont été construites, qu'on appelait les NG pour nouvelle génération. Et cette machine a une charge marchande de 13 tonnes. Elle 13 tonnes, rappelez-vous ce chiffre, sur le NORATLAS on avait une charge marchande de 6-7 tonnes. On a doublé cette charge marchande sur le Transall, on l'a menée à 13 tonnes.
Mais maintenant, le Transall arrive, depuis 1963 qu'il vole, évidemment, il arrive, arrive bientôt à l'âge de la retraite. Et donc, pour remplacer le Transall, les deux premiers exemplaires sont en cours de livraison auprès de l'armée de l'air française. Voici donc leur remplaçant, le descendant du Nord Atlas et du Transall. Un avion où on retrouve encore une signature franco-allemande, même si désormais il y a d'autres nations qui sont impliquées dans ce programme. On y retrouve les Anglais également, sur le Nord Atlas et sur le Transall, ben, il y avait des moteurs anglais. Et ben, sur celui-là, on trouve également une signature britannique. L'avion qui va remplacer le Transall, désormais, s'appelle l'Airbus A400M. Et on va le voir dans le ciel dans quelques instants. After decades since the early 50s, where the French Air Force and some other air forces in Europe have been using Nord Atlas and then Transalls, the need for a new machine arrived, of course, and